Alors bonjour à tous, ici Sky Galaxa, j'espère que vous allez toutes bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto en soi comment essayer d'attraper comment attraper des légendaires pour essayer. Alors le truc c'est que il faut que vous ayez fait des activités mystiques 10 ou que vous ayez soit en solo soit en avec un groupe, mais vraiment 10. Après, une fois que c'est fait, vous allez voir lui qui est juste ici, à l'entrée hein, de l'Institut Myrtille. Vraiment, voilà, il est là, hop, à gauche ici. Tiens, si ce n'est pas l'étudiant de Belair dont tout le monde parle, tu participes à un échange scolaire et tout à fait qu'elle a utilisé ça. Ouais, je vais oublier le bon manière, je me présente, je suis Jeffrey Andes. S'il y a quelque chose que j'apprécie, c'est de voir les élèves se donner à fond, en particulier celles et ceux qui participent assidûment aux activités myrtilles. Et pour les récompenser, je leur donne des friandises préparées spécialement pour certains Pokémon. En avoir sur toi pourra peut-être te permettre de rencontrer des Pokémon hors du commun. Reviens me voir après avoir participé à un grand nombre d'activités myrtilles. Ça donne quoi? Crains Minlago, tu as déjà terminé 10 activités myrtilles solo. Tiens, accepte cette friandise spéciale. Après tous ces efforts, tu l'as bien mérité. Alors là, j'ai trouvé une friandise Lugia. Une friandise préparée avec les éléments favoris d'un Pokémon légendaire Lugia. C'est une friandise Lugia. Tu as déjà entendu parler de Lugia. C'est un Pokémon très rare que peu de gens ont eu la chance de croiser. Ma rencontre avec Lugia remonte à l'époque où j'étais jeune et quoi. Ce jour-là, je nageais sur le dos dans les eaux magnifiques de la mer de Paldea. Le froid n'a pas tardé à se faire sentir. Il faut dire que l'eau était fortement glacée. Tremblotant, j'ai vite rejoint l'île le plus proche par peur de finir en glaçon. À ce moment-là, un énorme tourbillon est apparu et Lugia a jailli de la mer comme un tourpille. Cette vision incroyable m'a requinqué et le froid que j'ai ressenti a disparu d'un coup. Avec cette friandise, tu auras peut-être la chance de faire sa rencontre toi aussi. Si tu tombes sur Lugia, passe-lui le bonjour de ma part, tu veux. Alors, nous avons justement là des bonbons. Alors, du coup, je vais vous mettre une carte. Et nous, on va se rendre. Justement, on va aller voir Lugia. Alors, du coup, les Pokéball légendaires, ils sont. Comme indiqué. Alors voilà, je crois qu'à chaque 10 bonbons, vous pouvez. Et je vais aussi vous mettre une carte pour chaque légendaire. Dans quelle version? Alors, on veut juste aller faire Lugia. Et à peu près voilà. Voilà. Donc là on a trouvé Lugia. Voilà, il est juste ici.
Voilà, on peut le capturer. Il est dans l'eau, c'est trop drôle en vrai. Ok, c'est bon. On a capturé Lugia. Du coup, voilà. Alors, il faudrait que je vous montre les autres emplacements. Ça, c'est dit. Alors, attendez. Je sais pas s'il faut retourner voir le mec. Ok. Ok, en soi là, il faut faire plein de terra pour avoir tout pour qu'il nous donne des récompenses pour qu'on puisse faire les autres légendaires. Sur ce, merci d'avoir regardé ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Puis on se retrouve très prochainement. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye.